Stéphane, c'est probablement un des humoristes les plus gentils que je connaisse, mais à la limite, il est trop gentil. Alors, ma question à laquelle Stéphane devra répondre, c'est quels sont mes 10 pires défauts? Mais pas des défauts genre, ah, il travaille trop fort, non, mes 10 pires défauts. Ben, Pierre, en effet, c'est pas facile. Tu sais, t'as trouvé 10 défauts, je pense pas que je vais être capable, tu sais. Tu sais comment que je t'aime, comment je te trouve bon, comment je te trouve drôle. T'es un des humoristes les plus talentueux que j'ai jamais vu sur une scène. Hey, t'as trouvé 10 défauts, my god! Hey, c'est impossible. C'est impossible pour moi. Tu sais, juste un. Juste un défaut, j'aurais de la misère. Tu sais, juste un. Tu sais, vite de même. 10 défauts. Hey, un. Mettons, t'es trop drôle. T'es trop drôle. Ce serait le seul défaut. Tu sais, des fois, quand tu fais des jokes, on rit tellement fort, on a mal au ventre, on a des crampes dans les joues. C'est le seul défaut que je pourrais te trouver, là. Tu sais, t'es parfait. T'es parfait. Sac. Pierre, je peux pas te faire ça. Tu sais, t'es mon ami. T'es mon ami. Fait que je serais jamais capable de faire ça. Fait que je pourrais pas répondre à ta question. Je suis vraiment désolé. Alors Stéphane, ma question, avec combien de filles que t'as couché? Alors Alex, visiblement t'as voulu m'embarrasser avec ta petite question, mais honnêtement, je suis très à l'aise avec ça. Je suis capable de te répondre sans aucune gêne. Pour savoir le nombre de filles avec qui j'ai couché, c'est super facile. Ce que t'as à faire, c'est de prendre le nombre de dents que dans la gueule d'un crocodile, moins la racine carrée de 1296, plus le fameux chiffre qui fait le mois, moins le nombre de filles avec qui toi t'as couché, plus le nombre de Beatles qui restent toujours en vie, et ça te donne exactement le nombre de filles avec qui j'ai couché. Ah, attends une minute, je pense que j'en oublie une. Attends, il me semble que j'en oublie une. Voyons. En tout cas, ça donne à peu près ça.